Et salut tout le monde, c'est Rétalix, on se retrouve pour un nouvel épisode de Damnesia! Ouais! Super! J'ai peur. Fuck. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'épisode pour la simple et bonne raison que... comme j'avais expliqué dans mon premier épisode des Let's Play d'Alpha V2, j'avais plus... Enfin, je m'étais fait hacker et du coup j'avais perdu mes sauvegardes. Et du coup là j'ai tout refait depuis le début. Donc j'essaie de reprendre, enfin de remettre à peu près là où est-ce qu'on en était. Donc j'ai la perceuse, j'ai remis la tige sur le truc, j'ai résolu l'énigme là de cette pièce là. Hop, si vous vous rappelez. Avec les trois trucs là. Voilà. Et voilà. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a plus de face view. J'avais dit dans ma dernière vidéo d'Half-Life 2 qu'il y aurait des face view, et bah entre temps j'ai re-perdu mon téléphone. Donc il y a re-plus de face view, et à mon avis je suis pas prêt d'en avoir avant un bon moment. Donc du coup bah je vais faire avec, hein, parce que si j'attends d'avoir une caméra pour le faire, je ne suis pas dans la merde. Alors, donc je vais pas vous mentir, pour la perceuse, comme j'ai pas envie de passer 30 ans, 30 vidéos à chercher où est-ce que c'est, et ben Google m'a donné la réponse. C'est dans le stockage, l'endroit qui m'inspirait le moins confiance. Fuck you. Mis à part la salle des machines, mais ça on s'en fout. Ah, vous remarquerez aussi que j'ai bien économisé les boîtes d'Amadou cette fois-ci. J'en ai 23, je pense que ça devrait me suffire. Je pourrais éclairer une... avec tout ça je pourrais éclairer une salle des fêtes, mais bon. Alors, direction la salle de stockage. Donc, vous remarquerez aussi que le jeu est nettement plus fluide qu'avant, malgré que je sois repassé en 800x600, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, dans les premiers épisodes, quand j'étais en 800x600, bon ben, je ramais, beaucoup, et quand je suis passé en 1280x720, et ben je ramais autant qu'avant. Alors du coup j'étais resté en 720p. Là par contre, quand je suis en 720p, je rame plus que en 800x600 depuis mon formatage. Du coup vous remarquerez que mon 800x600 est nettement plus fluide qu'avant. Je vais même vous mettre dans quelques petites secondes un petit extrait d'un ancien épisode pour vous comparer. Donc là je bouge, hein, là, tac 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 tac. Regardez l'extrait à droite. Ça fait une différence, hein. Bon. On va continuer. Alors, stockage. Donc si j'ai bien compris, c'est pour percer des cuves. Le problème c'est qu'elles sont où les cuves? Je sais plus moi. J'espère que c'est pas là-dedans. J'allais voir là. Non, j'ai mis dans le stockage, moi je suis même pas sûr, j'ai même pas lu en fait. Si voilà, si l'éboulement est là. Ouvrons cette porte. Ah bah ça s'ouvre pas, ok. Ouvrons une autre porte alors. Ok. Voyons voir là-dedans. C'est pas là-dedans les cuves. Non. Bah alors c'est un endroit où je voulais pas aller, bien sûr. Comme d'habitude, quoi. Y'a pas de porte là? Non. Alors on descend. J'entends des bruits pas très gentils. Je flippe comme pas possible. Je vais aller voir dans la pièce qui brille. Enfin, qui brille, qui est éclairé. Est-ce qu'il y a une cuve? Non, il n'y a pas de cuve. Ah, mais je suis con. C'est ça, les cuves. Oh là là, attardé mental. Ah non, moi, que ce soit ça. La valve est rouillée. Ah, bah, ça doit être ça. Alors, perçons. Monsieur bricolage. Oh. Ok, ça coule. Ça coule de source. Un récipient nécessaire pour le liquide. Est-ce que j'ai ça? Flacon chimique, est-ce que ça marche? Oui. Et j'ai quoi? C'est quoi ce liquide? C'est pas de l'alcool apparemment parce que ça brille. Flacon partiellement rempli. Ouais, mais rempli de quoi? Il est rempli de deux ingrédients pour créer le mélange explosif. Ah, parce que je dois créer un mélange explosif en plus. Ok. Est-ce qu'il y a une autre cuve? Est-ce que j'ai vu qu'on devait faire ça deux fois? Ah ben voilà. Putain, ils m'énervent avec leur voix là, leur bruit de meuf. C'est bon, fais chier. Quoi.
Je dois remettre le même truc ou... Partiellement rempli, ouais, non, d'accord. Voilà, maintenant c'est... D'accord, j'ai l'explosif. J'ai peur, j'ai peur. C'est la musique qui m'a fait peur. J'espère. J'espère vraiment. Je vais monter mais je vais pas allumer la lumière parce que... Parce que j'ose pas. Ok. C'est calme. Trop calme. Donc j'ai juste vu jusqu'à ce moment-là, sur Google, c'était que l'explosif était pour faire péter ça, si j'ai bien compris. Putain, ma souris qui bug. Voilà. Alors, si j'ai bien compris. Ouais, non, j'étais pas trop près de l'onde. Donc ça va péter, ça va péter. Ça pète. Je crois qu'il faut l'activer en fait. Et comment je la déclenche si je suis en dehors de la... Sinon je suis trop loin. C'est avec un caillou, je sais pas. Est-ce qu'il y a un caillou avec ça? Ouh, ça a marché. Ouh, je dégage. Ouh bah, putain. C'est pas une petite explosion, dites-moi. Ok, donc à partir de maintenant, je sais pas ce qu'il y a, mais à mon avis, si c'était bloqué, c'était pas pour une... C'était pour une raison. Oh, genre... C'est trop stylé. Ok. Pinaise. Il est peur. Boîte d'amadou, encore et encore. Oh, est-ce que ce coffre s'ouvre? Non. À chaque fois, je me fais avoir. Pas là-dedans moi. Hors de question. Oh un coffre. Encore des boîtes d'amadou. Putain, tu m'étonnes que j'en ai plein. Dégage. Bon je vais pas me plaindre. Hein. J'en ai combien juste? 26 quoi. J'ai allumé une lumière. Voilà. Alors j'ai. Oh, ok, il me reste quasi 3 quarts d'huile. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais laisse-moi! Il y a marqué quoi là? Réceptaculum. Ok, je comprends que dalle. Ça m'inspire pas du tout confiance. Mais alors pas du tout! J'ose pas avancer. Ouais, bah je vais passer. Il y a une porte. Et mode d'Amadou numéro 26. Putain, je suis tendu là. Alors, bon ben, je vais aller par là où il y a la porte avant d'aller dans le truc parce que... Ok. Ça a l'air bon. Mais j'entends toujours ces cris là. C'est quoi ça? C'est du pain moisi ou quoi? C'est de la brioche. Boîte d'amadou, encore et encore. Je crois que je suis seul à me plaindre d'avoir des boîtes d'amadou. Oh, de l'huile. Ah, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'autre ici. Ok.
Ah, une autre porte. Non. Dégage. Oh putain, il arrive. Pitié qui m'a pas vu, pitié qui m'a pas vu, pitié qui m'a pas entendu, pitié qui rien. Ah, oh, il défonce la porte. Ok, ok, je suis collé dans le... J'espère qu'il va pas mort. N'entre pas. Je suis stressé, je vois que dalle en plus, je sais pas s'il est là, je sais pas s'il est pas là. Vous voyez quelque chose, mais moi je vois strictement que dalle. Putain. Putain, j'ose pas avancer. Fuck you. Il est juste là, hein. Cette fois il se barre pas. Hein. Je vois que dalle. Ok. J'espère qu'il me voit pas. Calme. Déstress. Il t'a pas vu pour l'instant. C'est là qu'il me court après. On va pas parler de malheur. Putain, là il y a la lumière, faut pas qu'il me voit. Il est où? Je sais même pas où il est. Oh, une bonne dame est où? Est-ce qu'il est? Il est retourné dans son trou? Attends, je vais aller voir. J'avance pas tant que je sais pas où il est. Il a plus l'air d'être là. Hein. Il est plus là, mais il est où? Je sais pas où il est, mais... Ah, mais je sais pas avancer. Oh putain, ça m'a transi. Ah, elle se fait égorger la pauvre. Ah, c'est excitant. Ok. Je monte les escaliers, je sais même pas ce qu'il y a. Ok. Ok. Putain. Il y a marqué la pièce de machine. Ah, mais c'est traduit en plus. Je me fais chier à essayer de deviner ce que ça veut dire alors que c'est traduit. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Ouh. Oh, oh, c'est quoi ça? Allumez le feu! Aïe, mais ça fait mal. Bon, vous me direz, le feu ça brûle, mais... Merde, quoi. J'espère qu'il n'y en a pas un autre derrière cette porte. Pitié. Ok. Je rentre. Je sais même pas pourquoi je cherche. Ah, bah les deux tiges qui me manquent. Cool. S'il n'y a pas un ensemble de 3 tiges disponibles, il en reste un dans la salle d'études intérieure. Bah c'est bon, j'ai le 3 tiges. Ok, dégage. Bon, vapeur ternaire. Il est où? Il est où? Oh, boîte d'amadou. Putain, va falloir que je l'esquive et tout, je vais te la faire la Solid Snake, moi. Il est pas loin. Enfin, je l'entends. La musique me dit qu'il est pas loin. Mais où? Fuck it. Où est-ce qu'il est?
Where is it? Vous savez quoi? Je crois qu'on va cesser là. Hein. On va laisser un peu de suspense pour... Putain, je fais du bruit. Putain, qu'il est pas entendu. On va se laisser un peu de suspense pour le prochain épisode, puis c'est surtout que là faut que je respire, là I need to live, j'ai besoin de vivre, vite, je vous dis ciao au prochain épisode, vous pouvez aimer la vidéo, partager, vous abonner sur Twitter, Facebook, YouTube et Steam, et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur retalix.fr, ciao tout le monde.